Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous terminons l'octave de Pâques et cette période qui s'étend du jour de Pâques au dimanche de la Divine Miséricorde que nous célébrons aujourd'hui. Et cette période nous rappelle que la résurrection se prolonge par-delà la fête de Pascal. Et le deuxième dimanche de Pâques est particulier. Il était autrefois appelé dimanche in albis, c'est-à-dire dimanche en blanc, puisque la tradition voulait que tous les catéchumènes baptisés à Pâques participent à la messe future d'un vêtement blanc, symbole de pureté. Et aujourd'hui, ce dimanche est aussi le dimanche de la miséricorde divine. Et cette fête a été instituée par Saint Jean-Paul II en 2000, le jour de la canonisation de Sainte Faustine Kowalska, une religieuse mystique polonaise à qui le Christ avait dit « La fête, la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques, aujourd'hui. » Frères et sœurs présents, ici et depuis votre maison ou d'où que vous soyez, la miséricorde, la charité n'est qu'une signification du mot miséricorde. Et cela signifie également la générosité, la compassion, prendre soin, pardonner, montrer de la compassion et de la solidarité. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie et ce mystère de la miséricorde divine en reconnaissant que nous avons péché, que nous sommes faibles et fragiles. Thank you.
et chantons encore la gloire de Dieu, comme aussi à Pâques nous avons fait. Immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors nos yeux s'ouvrent à ta gloire, nous te contemplons sur ton trône, revêtu d'un manteau de gloire, tu es le roi. Sur ta tête repose une couronne, Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés. Quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés? Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou des maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Son amour est
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous sommes les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu, gardez ses commandements, et ses commandements ne seront pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Et de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux
et il leur dit, recevrez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des douze, Thomas, appelé Didymée, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que la porte était verrouillée et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. C'est pas deux groupes, mais un groupe avec tous les enfants qui sont invités dans la chapelle pour un temps entre eux. Et frères et sœurs, à l'église franciscaine de Saint-Antoine à Bruxelles, 11 enfants ont reçu le baptême lors du dimanche de Pâques, le 31 mars 2024. Et ce dimanche, 7 avril, premier dimanche après Pâques, également connu comme le dimanche de la miséricorde divine, ces nouveaux baptisés et leur famille pourraient venir rendre grâce pour le baptême reçu, vêtu de blanc, symbole de leur vie nouvelle. D'où le nom autrefois
de dimanche in albis en blanc. Et cependant, il n'est pas certain qu'ils seront tous présents ce dimanche, habillés de blanc. Alors croisons les doigts et espérons voir notre Église illuminée par cette nouvelle petite étoile. Et aujourd'hui, ce dimanche est aussi le dimanche de la miséricorde divine. Et à Sainte Faustine, le Christ avait dit « La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. » Et à l'origine, le mot « miséricorde » désignait les entrailles qui frémissent sous le coup de la douleur et de la peine. Une émotion que connaissent bien les parents lorsque leur enfant est malade. Et Dieu est à la fois père et mère. Et comment ne souffrirait-il pas lorsqu'il nous voit souffrir? Lorsqu'il nous voit nous éloigner de lui, et c'est que le péché aliène, il blesse notre âme. Et si nous ne revenons pas rapidement vers le Seigneur, nous sommes en danger. Et car nous nous éloignons alors de la source de la vie, et c'est une question de vie et de mort. Et lorsque nous péchons, nous perdons notre identité de fils, fille de Dieu, appelée à la vie. Et cela peut nous amener à rater notre vie. Et c'est pour cela que Dieu ne cesse jamais de nous chercher comme le Père qui attend l'enfant prodigue ou le bon berger qui laisse 99 brebis en bonne santé pour retrouver celle qui s'est perdue. Et c'est aussi pour cela que Jésus donne sa vie pour nous sur la croix et ressuscite le jour de Pâques. Hier, alors que je méditais sur le mystère de la miséricorde divine en préparation de mon homélie, j'ai été interrompu par l'appel déchirant d'une mère éplorée. Et dans sa voix, je pouvais entendre l'écho de la douleur que seul un parent dont l'enfant souffre peut ressentir. Elle cherchait du réconfort et des prières pour son fils. Un jeune homme égaré dans le méandre de l'addiction et des drogues, ayant perdu de vue le chemin lumineux de vie, de la vie. Et cette conversation m'a rappelé combien notre Père Céleste souffre à la vue de ses enfants s'éloignant de lui, se perdant dans les ténèbres. Mais la miséricorde de Dieu est infinie. Et comme le berger qui part à la recherche de la brebis perdue, il ne cesse de nous appeler à venir à lui. Et en cette période pascale, rappelons-nous le sacrifice ultime de Jésus, qui par amour pour nous a donné sa vie sur la croix et a triomphé de la mort par sa résurrection. Et c'est cette victoire sur la mort que nous offre l'espoir et la force de surmonter nos propres épreuves et de guider ceux qui sont perdus vers la lumière de la vérité et de l'amour divin. Et je suis convaincu que la plupart d'entre nous déjà croisé le regard de cette image de la divine miséricorde, cette toile suspendue
fièrement au centre de notre Église. Et je vous invite tous à lever les yeux et à vous retourner. Et c'est bien de cette image dont nous parlons. Jésus y représentait la main droite levée en signe de bénédiction. Et sa main gauche pointe vers son Sacré-Cœur, d'où jaillissent deux rayons de lumière. Le rayon rouge symbolise le sang versé pour nous, et le rayon pâle, la purification, comme l'eau du baptême. Et cette image s'inspire de la vision de Jésus qu'a eue sainte Faustine en 1931. Et ces deux rayons ont jailli des profondeurs de ma tendre miséricorde lorsque mon cœur agissant a été ouvert par une lance sur la croix. Et remarquez aussi la démarche douce de Jésus, un pied légèrement devant l'autre, et comme s'il avançait sans cesse vers nous. Et tout comme sa miséricorde et sa grâce, et si nous continuons à avancer vers lui, alors nous serons sauvés, non pas à cause de nos actions juste, mais grâce à sa miséricorde. Et cependant, sœur Faustine a toujours été déçue par le tableau. Elle disait à Jésus, « Qui pourra te peindre aussi beau que tu l'es ?» Elle a alors entendu ces paroles. « Ce n'est ni dans la beauté des couleurs, ni dans celle du coup de pinceau que réside la grandeur de ce tableau, mais dans ma grâce. » Frères et sœurs, lorsque, à 33 ans, je suis entré dans l'ordre de Saint-François et j'ai demandé, comme tous les frères franciscains, la miséricorde de Dieu et celle de mes frères. Et la miséricorde pour ma vie personnelle et mon ministère, elle a pris progressivement davantage de sens, de poids, et plus encore dans ma vie de prêtre. Et je peux davantage exercer concrètement la miséricorde dans le sacrement, dans l'accueil, le contact avec des personnes éprouvées. Et c'est une force de découvrir sans cesse l'inépuisable miséricorde de Dieu, d'en faire connaître la beauté, la richesse, l'urgence, et d'entrer en contact avec tant d'autres personnes qui veulent vivre la miséricorde. Il y a diverses manières. Et le dimanche de la miséricorde, également connu sous le nom de dimanche in albis, en blanc, est un jour où l'Évangile raconte le parcours de saint Thomas. Et c'est un jour qui a une grande importance pour nous tous, hommes et femmes, aujourd'hui. Et nous avons tous, à un moment donné, fait une rencontre personnelle profonde avec Jésus ou avec Dieu le Père. Et nous avons découvert à quel point la miséricorde divine est à l'œuvre. Et nous avons vu le lien profond entre la miséricorde divine et notre propre chemin. Un chemin marqué par un désir profond de connaître Dieu et d'expérimenter sa miséricorde infinie qui donne la force. Et la miséricorde de Dieu a conduit non seulement les nouveaux baptisés,
mais aussi nous tous, après plusieurs années, à désirer suivre le Christ, à devenir chrétien, chrétienne, et à rendre grâce le dimanche de la miséricorde. Et c'est le dimanche où est proclamé le si bel évangile de l'apôtre Saint Thomas, si émouvant. Thomas a touché par la miséricorde de Jésus envers lui, et à travers lui, non seulement le nouveau baptisé, mais aussi nous tous, ceux qui croient sans voir, peuvent se reconnaître. Et Thomas, qui n'était pas avec les autres apôtres le soir de Pâques, était à l'écart, aux périphéries. Et seul, il se posait des questions, doutait de la résurrection de Jésus, puis finissait par rejoindre les autres apôtres, c'est-à-dire la communauté ecclésiale. Et pour nous, ça peut être notre église de Saint-Antoine. Et Jésus apparaît alors à nouveau aux apôtres et Thomas est invité à la foi. Il adore profondément mon Seigneur et mon Dieu. Et aujourd'hui, Saint Thomas, l'apôtre, a dû toucher les plaies de Jésus pour en être convaincu, comme dans l'évangile d'aujourd'hui. Mon Seigneur et mon Dieu, et par ces mots, il confirme le Christ est pleinement humain. Mon Seigneur est pleinement divin, mon Dieu. Il y a une analogie avec le parcours des nouveaux baptisés, mais aussi avec le nôtre. Et nous retrouvons, comme le dimanche de Pâques et tous les autres dimanches, à confesser publiquement le credo, à proclamer que Jésus est notre Seigneur. Et c'est comme si nous disons, Jésus, j'ai confiance en toi. Ainsi, le dimanche de la miséricorde, comme tous les dimanches, met en lumière non seulement les nouveaux baptisés, mais aussi nous tous, rappelant notre propre parcours de foi et notre confiance à la miséricorde de Dieu. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi.
Comme dimanche passé, disons-nous notre credo avec beaucoup de, aussi de conscience. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est ascendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, monté aux cieux, est ici à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Confions toutes nos intentions, prions pour l'Église, l'Église universelle. Seigneur miséricordieux, nous te prions pour l'Église dans le monde entier, pour le pape François, pour nos évêques, les prêtres, pour notre communauté franciscaine. Que l'Esprit de la divine miséricorde inspire et renouvelle ton peuple dans la foi et l'amour de l'Évangile, et que chaque chrétien devienne un miroir de ta miséricorde, un témoin vivant de ta bonté, et que nos cœurs reflètent ta générosité sans mesure. Seigneur, nous te prions. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein. Prions pour les familles, pour nos familles. Dieu de bonté, nous te prions pour toutes les familles. Que la fête de la divine miséricorde soit pour elles une source de grâce, d'amour et de réconciliation. Que chaque foyer soit un sanctuaire de paix et d'harmonie. Seigneur, nous te prions. Car Dieu est un Dieu puissant, il est de son sein. Et prions aussi pour les malades et les personnes âgées. Seigneur de compassion, nous te prions pour les malades et les personnes âgées, aussi pour Nilda. En ce jour de la divine miséricorde, que ta tendresse les enveloppe et que ta force les soutienne. Seigneur, nous te prions. Pour notre monde. Roi de paix, nous te prions pour notre monde. Que l'Esprit de la divine miséricorde guide nos actions vers la justice,
la paix et le respect de toute la création. Seigneur, nous te prions. Un Dieu puissant et règne, de son sein le lavait. Sagesse à vous et Dieu, un Dieu puissant. Et Père, pour les intentions particulières, Seigneur d'amour, nous te prions pour les intentions qui nous ont été confiées, je pense, à cette maman qui souffre et aussi ce fils qui ne voit pas la lumière. Que la lumière de la divine miséricorde éclaire chaque situation et que ta volonté bienveillante se réalise dans la vie de chacun, de chacune. Seigneur, nous te prions. Car Dieu est un Dieu puissant et vrai, de son Seigneur la paix. Sagesse à vous et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant et vrai, de son J'invite tous de se retourner encore vers l'image et dire dans notre cœur notre propre intention et dire en nous-mêmes, Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur, nous te prions. Car Dieu est un Dieu puissant et vrai, de son sein le lavait. Sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant et sa prière se lève vers toi, Seigneur, en ce jour de la divine miséricorde, et que ta grâce infinie nous accompagne toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le rideau
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. Et c'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu de lumière, Dieu de lumière, Dieu de lumière, Dieu de lumière,
es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous annonçons ta résurrection. Nous annonçons la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis. Avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
le bienheureux apôtre, le glorieux martyr, Saint François, Saint Clair, Saint Antoine, Saint Bonaventure, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Et souviens-toi des baptisés de Pâques, aussi qui sont baptisés le dimanche passé, ici, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté la prière de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions en ta bienveillance. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Thank you.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Nous sommes cinq pour distribuer la communion.
Thank you.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Il y a encore quelques annonces. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis très enthousiaste et je suppose que vous savez aussi pourquoi. Parce que dans quelques jours à peine, dans deux semaines, ce sera le concert de Feel Good dans cette église même. C'est une grande occasion de louer, de remercier Dieu pour cette grosse résurrection qu'il a fait
manifestement au milieu de nous. Et donc on vous invite tous à venir le 20 avril à 20h en cette église pour un concert de Feel Good. Ça va être un concert de prière, ça va être un concert de louange, ça va être un concert aussi de recueillement. Et on vous invite chaleureusement. L'entrée est gratuite. Mais donc bien sûr, on se rend dépendant de vous et de vos dons pour faire fonctionner cette mission qui coûte cher. Donc si vous pouvez donner à hauteur de vos moyens, donnez. Sinon, venez gratuitement et invitez largement autour de vous. C'est une occasion d'évangélisation à ne pas louper. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, je viens vous demander humblement la prière pour quelque chose de très grave, un vote parlementaire cette semaine demandant la modification de la charte des droits fondamentaux en faveur de l'inscription de l'avortement. Comme vous le savez, la France l'a fait. Ce fut le bal du démon le 8 mars. Et ce vote serait un recul majeur non seulement pour le droit des femmes à choisir, mais aussi pour le droit des médecins, dans leur objection de conscience, ainsi qu'évidemment aux tout-petits, à naître ou pas. Si vous en avez le cœur, priez cette semaine et informez les gens dont le cœur pourrait s'ouvrir à ce massacre des saints innocents. Je vous remercie. La Garde Sainte est un groupe d'hommes qui se réunit déjà, s'est déjà réuni deux fois, qui se réunit cette semaine pour adorer ici au couvent de nuit. Alors, on s'appelle la Garde Sainte, pas parce qu'on veut garder un tombeau vide, mais parce que nous voulons monter une garde vigilante dans l'attente du retour de notre Maître pour être prêt à lui ouvrir dès qu'il frappera. Et donc voilà, nous contemplerons le ressuscité. Rendez-vous à partir de 20h30 jeudi, compli à 21h. On adore toute la nuit en se relayant. Il y a un lieu pour dormir, il faut prendre ses affaires, c'est un peu spartiate. Un sac de couchage, et c'est tout. Le matin à 6h, on célèbre l'Eucharistie ensemble et puis on prend un petit déjeuner qui sera un peu plus festif que les deux premières fois puisque c'est le temps de Pâques. Donc bienvenue à tous les hommes et aussi aux jeunes, qui n'étaient pas très représentés la deuxième fois, mais donc il n'y a pas de limite d'âge vers le bas. Donc j'invite les jeunes qui sont capables de veiller pour plein de raisons, bonne et moins bonne, mais si vous avez une bonne raison de veiller, c'est donc jeudi. Un album de chants pour vivre un moment aux côtés de Marie. Est-ce que ça vous chante ? Est-ce que ça vous enchante ? Voilà. Nous sommes Etin Cello, un groupe de pop louange franciscaine, né il y a 10 ans après un chapitre des familles organisé par les frères, comme celui que nous allons vivre cet été. Et d'ailleurs, inscrivez-vous, c'est une grâce. À l'occasion de nos 10 ans, nous avons ressenti un appel clair de Marie à continuer cette mission musicale et ecclésiale en lui consacrant un album qui s'appellera Nazaréenne.
Le but de cet album est vraiment d'inviter chacun à vivre un moment et même commencer ou poursuivre un chemin avec elle. L'album s'appelle Nazaréenne parce que ça la rend habitante de notre terre, ça la rend présente, un peu comme une grande sœur. Il comprendra 10 chants, dont certains qu'on a déjà commencé à chanter ici au couvent, pour se placer à côté d'elle, pour se laisser porter par elle et vivre avec elle un moment de qualité tourné vers Dieu. Est-ce que ça vous parle ? Pour vivre et faire vivre ce temps et ce chemin avec Marie au plus grand nombre, on a besoin de vous, très concrètement. Nous venons de lancer une campagne de financement participatif, crowdfunding, pour ceux qui... Voilà. En échange de vos dons, vous pouvez recevoir, précommander et nous aider à faire en sorte que ça se réalise sur la plateforme Ulule. Cette campagne a pour but non seulement de récolter les fonds, mais aussi de diffuser le plus largement possible ce que j'ai envie de dire est un projet de Marie. Nous sentons que nous ne sommes pas appelés à porter ce projet seul, que c'est un projet qui concerne toute une communauté qui souhaite louer et porter Dieu à travers Marie dans la joie franciscaine. Si ce projet vous parle, on a besoin de vous. Vous pouvez prier, vous pouvez parler, en diffuser autour de vous et faire décoller cette collecte que nous commençons, car réaliser un album, ça coûte cher, en temps, en énergie, et chaque petit don compte pour qu'on atteigne ensemble la somme nécessaire. Vous retrouverez les informations en cherchant Etincello sur Internet, E-T-I-N-C-E-L-O, en 8 lettres. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à venir me voir. Merci et un bon dimanche de la miséricorde. Merci de m'avoir écouté. Le Seigneur soit avec vous. Il y a une bénédiction solennelle. En ressuscitant son Fils unique, Dieu a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Bonne fête encore.
Tu es...